Donc bonjour, oui donc je suis présente ici uniquement en tant que maman, maman qui a rencontré donc avec le papa bien sûr beaucoup de soucis vis-à-vis de l'école lors de l'entrée en maternelle et au primaire, là plus haut. Voilà donc je vous ai préparé un petit diaporama également pour vous montrer quelques petites choses, vos petits parcours. Voilà, je suis très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui, d'autant que le fait de cette avancée enfin, est très très importante pour nous. J'espère que ça va porter ses fruits. Voilà, je suis maman de deux enfants précoces, diagnostiqués précoces il y a déjà un petit moment maintenant. Ils avaient 4 ans et demi. Ils sont scolarisés actuellement en classe de CE1 et CM1. Donc cette grande aventure a commencé avec notre aîné qui avait des troubles du comportement, ainsi que a priori, enfin pour nous parents, une avancée au niveau du développement. Mais ça, bon, on essayait de mettre des mots dessus, mais nous ne trouvions pas malheureusement donc de médecin ou de pédiatre qui était capable à ce moment-là de pouvoir nous aider, nous aiguiller. Donc quand on a parlé tout à l'heure, enfin ce matin, de formation des pédiatres, j'avoue que oui, ça nous aurait arrangé à ce moment-là. Voilà, donc ça a été très très compliqué. Donc au jour d'aujourd'hui, lorsque j'entends parler de précoces, d'enfants précoces, d'enfants EIP ou d'enfants surdoués, j'ai plutôt d'autres mots qui me viennent en tête, qui vont plutôt être négatifs. Des mots comme tabou, cliché, préjugé et également difficulté. Difficulté par rapport au regard extérieur, difficulté par rapport au manque de formation, d'information, que ce soit donc au niveau de l'école, des médecins. Ouais, je parle de beaucoup des médecins parce que ça a commencé vraiment très tôt pour nous. Ces difficultés ne vont pas s'arranger avec l'entrée à l'école. Donc nous essayons à ce moment-là de trouver des solutions. Oui, donc Madame Bidal parlait de l'AFEP. C'est quand même grâce à cette association dont on a très peu parlé que nous avons pu trouver des solutions. Donc pour nous, elle était très très importante, même si ça n'a pas été suffisant encore au niveau de l'école à l'époque. Donc un grand merci à cette association qui nous a permis de rencontrer Madame Bidal et de lancer ensuite justement le diagnostic des enfants. Ces enfants, avec eux, vous êtes bousculés, il n'y a pas de répit. Ils ont toujours plein de choses à découvrir, donc forcément à l'école ça peut dénoter, ça peut embêter, ils peuvent être catalogués très vite. Ce sont des enfants qui travaillent, enfin, qui travaillent à l'affect, donc qui sont très sensibles, hyper sensibles. Je vous ai mis quelques petites choses qu'ils nous ont fait. Donc là j'aime beaucoup le petit dessin, enfin le dessin du papa fâché, voilà, avec toutes ces ondes négatives. Ce sont des enfants vraiment qui ressentent, qui ont beaucoup d'empathie. Donc la moindre chose négative, ils vont le ressentir, positive aussi, heureusement. Mais là, donc je crois qu'on est sur un dessin. Ethan avait 2 ans et demi, donc ça commence très tôt. Et puis à côté, donc voilà, des petites phrases qu'ils nous laissent régulièrement pour se rassurer, pour nous rassurer. C'est important, voilà, ils sont très fragiles. Donc des enfants angoissés, anxieux, des remarques vite mal formulées, bien sûr, vont forcément détruire. Il faut vraiment faire attention et à l'école, surtout en maternelle, on n'est pas forcément sur ce créneau-là. Ce sont des enfants qui refusent l'erreur, qui se mettent la barre également très très haute, qui peuvent tenir tête, qui peuvent sembler en fait être insolents ou manquer de respect. Chercher la faiblesse chez l'adulte, donc tout ça, on l'a déjà entendu ce matin, ça, il n'y a rien de nouveau. Mais voilà, à côté de ça, voilà ce qu'on peut retrouver au niveau de l'école, dans leur bilan, dans leur livret scolaire. Ce sont des enfants quand même qui ont besoin aussi d'être assurés ou qui se bloquent quand ils rencontrent des difficultés, des erreurs d'inattention. Donc il faut arriver à les suivre, à les canaliser, les comprendre, donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Ils ont également quelquefois des comportements excessifs, des réactions inattendues. Donc, bien sûr, ça perturbe les parents. C'est déjà difficile pour nous, parents, d'arriver à les comprendre. Donc, bien sûr, on se doute qu'à l'école, c'est aussi très compliqué, surtout qu'ils ne sont pas tout seuls.
Ils sont à la fois complexes, ambigus. Ils ont un développement qui va très très vite. Et puis à côté de ça, enfin dans certains domaines, et à côté de ça, des actions très simples comme faire ses lacets, par exemple, peut relever du véritable défi. Apprendre l'heure. Donc des actions de tous les jours se révèlent vraiment vraiment très très compliquées. Voilà, donc il faut prendre le temps, c'est sûr. À l'école, nous allons découvrir également que nous avons des enfants version école et version maison. Je ne sais pas, non, ça c'est pas encore maintenant. Des enfants qui vont s'ennuyer très vite, très tôt, de manière différente, parce qu'ils sont différents, ça reste des enfants, des êtres humains à part entière, donc avec leurs propres particularités. Nous avons un enfant qui a commencé à décrocher, tout simplement, qui travaillait très très bien, parce qu'il était aussi, donc, comme je disais, à l'affect. Il s'entendait très bien avec son institutrice, ça marchait bien. Et puis une remplaçante est arrivée en cours de route, et là, ça ne passe plus. Donc l'enfant décroche, et on passe d'un enfant brillant qui travaillait très bien à un enfant feignant, selon les dires de la maîtresse, limite inintéressant. Pour son frère, ça va être il est très très calme, il est très sage, c'est parfait. Arrêtez de vouloir le faire travailler. On ne comprend pas ce que vous nous dites. Vous n'avez pas les mêmes enfants que nous. Et à la maison, ce sont des enfants qui explosent parce que ils veulent se conforter à ce que la maîtresse souhaite avoir, et vont prendre sur eux et être insupportables, parce qu'à la maison ça continue. Ils veulent apprendre, ils veulent. Pourquoi tant de frustration à l'école? Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas à l'école? Donc, par rapport à la rencontre avec donc la FEP, Madame Vidal, l'heure du test a quand même sonné pour voir un petit peu où on en est, si c'est nous, parents, qui avons trop exagéré les choses ou pas, puisqu'à un moment donné, il faut bien légitimer tout ça, puisque nous n'étions pas écoutés, pas entendus. Alors voilà pour l'enfant A. Donc voici des notes peu dispersées, donc des profils assez homogènes. Des connaissances scolaires, par contre, pas forcément très, très avancées pour le coup. Nous sommes sur un enfant qui n'aime pas aller à l'école, hein, qui n'aimait pas à l'époque, qui n'aime toujours pas aller à l'école. On a du mal à savoir encore pourquoi, mais lui le sait, a priori. Voilà, avec un QI donc 232. Je suis revenue à l'école avec ces tests sous le coude pour leur expliquer, leur bien faire montrer que c'était pas une vision des parents, que c'était pas ce que nous voulions entendre, qu'on ne voulait pas se faire complimenter sur nos enfants. Nous voulions juste que des choses soient mises en place et qu'il se passe des choses. Malheureusement, donc rien ne s'est fait, rien ne pouvait se faire. Donc là, pour le deuxième, c'était limite, 129, qu'est-ce qu'on fait? Mais avec des troubles du comportement, mais lui, par contre, à l'inverse, montrait beaucoup en classe et continue à le montrer. Finalement, ils n'ont pas vraiment changé. Et pour lui, on arrivera à faire un saut de classe, mais un petit peu dans la douleur quand même. Donc l'école ne voulait rien mettre en place parce qu'on a eu comme aussi réflexion. À l'âge adulte, ces enfants seront comme tout le monde, ils auront un métier. Pourquoi s'embêter maintenant, où on n'a ni les moyens ni le temps de s'occuper d'eux. Donc voilà, nous nous sommes retrouvés avec ces tests, ces enfants qui étaient en souffrance. Alors le tutorat, tout à l'heure on en a parlé, je vais revenir dessus, Ethan a eu une expérience plutôt négative à ce niveau-là. Donc il était jeune, il était en CE1 avec un an d'avance. Et il s'est retrouvé à être tuteur d'un enfant qui avait vraiment de gros problèmes. Et ça s'est très mal passé pour lui, puisque le soir, du coup, il ne mangeait plus, il ne dormait plus, parce que son inquiétude, c'était mais comment faire pour le faire travailler? Comment faire pour qu'il arrive à comprendre? Et on était à lui ouvrir la trousse, à lui mettre le stylo dans la main pour le pousser à travailler. Donc, je dirais, attention, c'est peut-être une bonne idée, mais peut-être vérifier, enfin, faire de bons binômes. C'est pas si simple que ça. Donc ces enfants précoces, soi-disant, donc parfaits sur certains préjugés, voilà donc des remarques générales qui ont pu être faites. Donc en jaune, tout ce qui était très bien. Donc effectivement, très bon travail, excellent, satisfaisant, félicitations.
Et voilà, en rouge quand même, manque de maturité, donc on a entendu parler tout à l'heure, qui peut se perpétuer longtemps. Voilà, il doit apprendre à s'ouvrir et ne plus rester autant dans sa bulle. On pense à bien te concentrer, parce que problème de concentration également. Des termes assez forts. Et puis voilà, ils ont effectivement quelquefois des, on a entendu parler également tout à l'heure, des problèmes, enfin des interprétations très personnelles des consignes. Donc voilà, une petite sélection entre autres qui sont plutôt amusantes, mais bon, on ne fera pas exagérer non plus. Donc s'il tombe sur un enseignant qui est sensibilisé à cela, sensibilisé à cet enfant, à cette situation, ça se passera bien. Si jamais ce n'est pas le cas, effectivement, ça va tourner vite au cauchemar. Pour l'enfant, pour les parents, c'est un tout. La précocité ne commence pas à 8h30 le matin et ne s'arrête pas à 16h30 après la fin des cours. C'est tout le temps. Et c'est pour ça que vraiment une formation des enseignants, du corps presque médical aussi, ça me paraît être important. C'est un tout, ça ne s'arrête pas à un chiffre en plus, il y a vraiment plein d'autres choses à voir à côté. Voilà, alors ça, ce sont les petites remarques régulières, récurrentes, que l'on peut récupérer sur les devoirs. Donc tu vas trop vite, tu as été trop vite, ça c'est toujours écouter consignes, c'est un grand problème les consignes. Et à côté de ça, donc des enfants pleins de créativité qui seront... Oui, alors là, les créations, ça marche bien. Les dessins, les Legos, je pense que tout le monde sont concernés par ces choses qui sont très simples au final, mais qui marchent très bien. Voilà, et les créativités au niveau du bois, le traitement du bois, les puzzles, les pistolets, parce que toujours très inquiet de la sécurité aussi. Hein, les méchants, c'est quelque chose... qui fait peur. Donc ça peut représenter juste une après-midi. Voilà, ça peut être vite vite rempli. Donc là, au jour d'aujourd'hui, les enfants ont changé d'école puisque ça ne pouvait plus bien se passer où ils étaient. Ils avaient besoin de changer. Ils sont dans une autre école dans laquelle ça se passe très bien. Ils ont trouvé leur équilibre. De plus, nous avons appris là récemment que dans cette école, ils mettaient en place justement les activités pour les enfants précoces. Donc là, nous sommes en attente de voir ce que ça va donner. Nous sommes très en attente. Il y en a déjà un qui attend avec impatience l'atelier de maths. Voilà. Donc voilà un peu le... oui, il y a un matheux et un littéraire. Voilà, c'est pas facile, c'est pas simple pour les parents non plus. On s'est toujours catalogué de parents qui veulent que leur enfant soit le meilleur, comme quoi on recherche des compliments, mais ce n'est pas ça. C'est quelque part on le sait déjà. Ils le montrent à la maison ce dont ils sont capables. Donc après, c'est vraiment se faire légitimer auprès du corps enseignant qui est le plus difficile. C'est important de se faire reconnaître en tant que parent, mais on les connaît nos enfants. Et on ne veut pas forcément vouloir absolument déjà leur faire sauter de classe ou les faire passer pour les intellos, justement. C'est vraiment, on veut qu'ils soient reconnus en tant que tels, et avec leurs particularités, et surtout qu'ils s'épanouissent à l'école.